ça crivé dans le palais national hier? Et faut me dire non. Moi-même de tempérament, moi pas dit bagaille, il faut me bien informer de questions, on va me parler de lui. Effectivement hier, gagnon bagaille qui toujours fait dans palais national, c'est salutation d'usage. Côté que dans la salutation d'usage, a des mondes aller dans le palais, al souhaiter vœux, etc. Président de la République, toujours fait chaque année. Ou aller, joyeux Noël, etc. Bakoulan dans le palais, etc. Et puis, le directeur général de la police a décidé d'aller dans le palais, etc., comme notre officiel, pour être capable de faire échange de vœux, etc., pour Noël. Machine, pas oublier, machine directeur général là, écrit numéro 1, police nationale d'Haïti. Le monsieur arrivé dans le premier guet là, il est rentré, machine est rentrée normalement. Il est arrivé dans le deuxième guet là, sécurité a décidé de rentrer pour y aller, déposer le directeur général là pour y retourner. Il y a deux agents USGPN qui étaient là et qui venaient pour lever et. Comment ça, ils arrivent barrage. Barrage okay, bon, barrage de sécurité n'a pas l'air. Oui, n'a pas l'air. Pour de faire inspection, etc. Oui. Les messieurs arrivés dans le deuxième et pas ça. Le premier guet là, on va rentrer. On va rentrer dans la cour balai derrière. Ou rentrer dans l'espace là, connecté entre caserne et métal. Dans métal. Ok. On passe dans métal. Mais deuxième côté là, c'est l'eau entrée. On va rentrer dans le palais à même endroit. Côté là, on fait inspection. C'est officiel. Officiel. Il y a des officiels, nous voulons parler du directeur général, ministre, ça. Toute machine ça yo qui accès dans deuxième espace ça pour rentrer dans parking derrière ouais. Et pas dans deux couloirs parler casse derrière c'est employé mais en dehors officiel deuxième espace ça deuxième métal ça pas aucun directeur général yo qui a bloqué depuis ce directeur général dûment identifié machine parle bah comme la carte dure faut le rendez-vous dans parler quand même pas besoin de rendez-vous pas besoin de rendez-vous. Pas besoin de rendez-vous. Si soit dit à la qui se rendez-vous, ce n'est que avant hier, il y avait la décision ça. Ok. Parce que on a parlé souvent, mais pas. Mais non, c'est mon palais. Ok. C'est mon palais. Expliquez ça, mon palais. Mon palais, ça veut dire mon comme si qui est habitué dans le palais. Ok, qui est habitué dans le palais. Je travaille dans le palais, je suis un ancien mon employé palais, c'est un monde qui était chargé de mission dans palais. Ou pas ça, il travaille job. Non, mais tant des amis sont experts, vous voyez. Vous faites comme dans l'État? Non, mais l'État, je travaille pour l'État. L'État, c'est nous. C'est expertise que je fais pour l'État. Et ça, une expertise dans tout un paquet de domaines. Ok. Oui. Kounia, les machines déjà arrivées dans la deuxième barrière. Tu as dit, c'est vrai. DG police nationale. Et puis qu'on y a. Le directeur général de la police qui est en contact avec toute la police du monde. Oui, et puis le monsieur arrivé là, deux agents USGPN viennent pour faire monsieur passer. Il y a deux agents USP qui sont policiers qui dit. Il y a deux agents USP qui sont policiers qui dit négatif, machine ça va pas entrer. Monsieur dans la machine. Nan. Machine numéro 1 ça. Oui. Ah, monsieur dans la machine n'a pas descendu. Oh. Et pour la pied, puis machine nous a fait bac. C'est à pied pour M. Desson. Et ça me rappelait. Ça veut dire que M. Bagnet a passé inspection. Et depuis là, il a dit M. Desson à pied pour l'entrée. Ça, c'est humiliation. Pourquoi ça me rappelle l'humiliation? Parce que depuis Jean-Baptiste Aristide a quitté le pouvoir en 2004, USPA venu l'autre gens. C'est la police nationale qui est chargée de un monde qui pour entrer dans USP président de la République n'a pas qu'à choisir n'importe monde pour mettre dans USP sous pas policier non il connaît mettre si monde qui pas policier tu as bien samedi hier tu as samedi bien pas aucun agent USP non on pas la voilà un président qui a choisi un agent spécial dans l'autre niveau mais le pap il pas fait partie de USP là pour agent de sécurité mais le pap agent USP. Pour USP, faut policier. Faut policier. Depuis après 2004. Depuis après deux autres gens mettent ici de la valasse là, ben ça finit. Le département d'État a décidé sur ça. Et me voulons négrer le même pour démentir samedi là. Ça veut dire deux agents USP qui sont en costume,
policier qui national qui m'a dit pour machine ça pas entrer et que monsieur Claden n'a pas laissé n'a pas laissé, c'est dérive dernier niveau. Et quelques années qui entrent dans la logique, ça la paye pour casser à n'importe quel moment de la durée ou quand visa bloqué. Quand on a parlé là, quand on a commencé à passer, c'est que monsieur j'ai dû obligé de retourner parce que monsieur va descendre à pied. C'est vagabondage, ça c'est vagabondage parce que pas aucun directeur général, t'as bien, oui? Pas aucun directeur général dans l'institution, l'État qui l'a, deuxième barrage, ça n'a pas parlé là, en de parler national. Y'a qu'à barrer, y'a qu'à bloquer. Vladimir, par exemple, connaît ça bien. Mais qui est Vladimir? Qu'est-ce que j'ai dit? M'a connaît. Vladimir, par qui est chef sécurité, ok? Coordonnateur de parler national, lui connaît ça, m'a dit bien. Secrétaire général, là, tout le connaît ça. Mais c'est pas. Monsieur le secrétaire général, là, qui coiffé, attention, c'est le secrétaire général qui coiffé question Palais National. Ok. Ok? Question tout niveau ça. Maintenant, on y a là, et le type qui s'appelle Vladimir Parizeau, c'est lui-même qui coordonnait la sécurité du président. Ok? Maintenant, on y a Vingueye, Sanirle, USGP à Paris, on y a USP, c'est Vladimir Parizeau qui est coordonnateur de la sécurité du président, de l'unité sécurité présidentielle, que moi-même te travaille dans USP, on commence à organiser. Ça n'est que fait, selon ce dit là. Nous, est confirmé, l'éclair. C'est confirmé. Non, l'éclair. C'est que, une hostilité qui est déclarée et qui n'est pas bon au pays. Pas oublié, non? Nous, en face, une force de l'ordre, une responsable force de l'ordre, mais ça qui lui-même, en contact avec toutes les polices du monde, et que on mettait en quarantaine, là on appelle ça en quarantaine. L'on met ton nègre en quarantaine, ça veut dire qu'on t'a dit. Mais c'est pas aller par là de comme si présentons une lettre d'excuses ou bien pas connaît, ou une descente. C'est pas qu'à faire parce que si c'est des agents qui sont responsables là, est-ce que je n'ai pas dire, dirigeant ton enquête. Mais qu'est-ce que tu passes sur votre tête, non? Président pas qu'à faire un boulot, non? Ah, oui. Et policier, oui. On a convoqué une inspection générale. Qui bon, comment ça, oui? Si président dit non, ou bien. Si président dit non. Par exemple, qui. Par exemple, sur le côté de pas fait ça, mon cher. Par exemple, sur le côté de sur le plan administratif, monsieur Vladimir, par exemple. Est-ce que Gédéon a décidé de transférer par exemple? Non. Il n'est pas qu'à transférer par exemple. Mais il est capable. Ok, mandé inspection générale, mener enquête sous inspecteur général ça qui est par exemple inspecteur général actuellement là. Inspecteur général lui par exemple. Qui est-ce qui va regarder? Ou quoi? Non, le commissaire divisionnaire. Des postes commissaire divisionnaire. Ça veut dire que il y a tiré ou non l'autre poste ou l'autre poste. Il va regarder là. C'est il remplit fonction de inspecteur général. A dit immédiatement qu'il est laissé la police va garder citoyens ont besoin dans ce type. Oui. Les quatre présidents, ça clair. En réunion, dans le CSPN, avec le Premier ministre, Gédéon capable de paraître, lui présenter le dossier en tant que tel, et qu'il demandait pour que M. Vladimir Parizeau, ok, regagne base, vini dans l'inspection générale. Parce que. Mais parler, il ne doit pas d'accord. Parler, quand d'accord. C'est ça. Là, nous tombons directement dans la politique. Et c'est politique ça qui a pris. Oui, hier soir, on n'a pas lu la politique là. Et politique ça. Mais est-ce que vous dites c'est humiliation? Non, qui sent ça humiliation? Parce que, pas qu'aucun directeur général ou bien ministre ou machine officielle a pas entré dans le palais national. Dans le deuxième barrage, ça n'a pas parlé là. Parce que nous disons dans l'ISP. Dans le deuxième barrage, ça, ou pas qu'à bloquer, sous quelque forme que ce soit. À moins que vous alerte spéciale. C'est 10 agents, 2 agents USP ont dit, monsieur ça, monsieur machine ça va pas entrer, le monde qui l'a donné fait le marché à pied pour l'entrée. Pas grand dit tout, si ça, l'autre de la sortie de Piro, pas grand dit tout. Parce que même demandé par exemple, agent USP a même demandé, est-ce que agent USP a oué machine là, ou est-ce que le directeur général là? Oh, ah, pas mal comme ça, moi. J'espère que nous n'avons pas congédé, monsieur. Qui ça? Ou agent USP? Il n'a pas congédé, oui. Ça que ça? Il a congédé. Ou agent USP, vous dit oui. Il n'a pas congédé, oui. Il va dans la police.
comment tout policier qu'on Gédéon? Qu'est-ce? Hein? Ah oui. Michel Gédéon dit oui. Le directeur général de la police nationale, lui. Zami, t'allais. Eh bien, agent USP, arrête de voir comment c'est. Ok. Michel Gédéon, son équipe qui sortit de agent 2 à Gratzal, il dit là. Si on pose un policier question, comment directeur général de la police a. Rélé, Lipakonel, je suppose. Arrêtez, monsieur. Arrêtez, c'est responsable. Non, mais en sérieux. On ne peut pas faire, on pas poser un problème. Ok. Ok? Adieu. Non, et tellement comme si Jean Nego dit, si toi, mon gars de la machine, pour le descendre à pied. Il dit, faut que je descende à pied. D'abord, mon nan, comme policier. Ok, il machine, non? Il machine, non? Non, il go vite. L'on paraît là, l'on finit quitter le premier métal là, deuxième métal là, il go vite qui montrait que. On machine numéro 1, on reconnaît le directeur général de la police. Mais c'est une insulte, oui. Insulte, mais cependant, qui n'est pas au pays. Est-ce que ça t'est arrivé? Le joueur dit là, c'est que un agent USP, c'est policier. Depuis après 2004. Mais c'est une information que c'est que Paris ont déjà reçu une lettre de blâme de direction générale de la police. Oui. Pour une intrusion inconnue de Baléa. Je dis qu'à ce que tu Baléa. Oui. Je te dis qu'on te donne Baléa. Oui, oui. Justement, par exemple, nous recevons une lettre de blâme comme ça pour. Mais est-ce que c'est. Non, pas... Est-ce que d'accord que c'est la police qui a géré toute unité. Non, mais ça me dit qu'on est connu. Sacrifié directeur général là, qui brale comportement parlé. Parce que le directeur général n'a pas entré. Bon, j'ai deux problèmes, j'ai entré. Connaissant Gédéon, il n'est pas là pour j'ai entré. Comme si pour ça que vous arrivez à monsieur d'aller pied, non. Il y a directeur général qui a baissé la pied. Même si je ne vais pas descendre. Il y a qui a accepté de descendre la pied. Hein? Abonné? Oui. Mais obligé. Hein? Qui est directeur général? Qui est directeur général qui a baissé la pied? Comment vous êtes toujours là? Qui ça? Et ma vous êtes toujours sous? Sur qui base? Moi, sur question. Ah? Vous êtes clair? Même ça, on va un nom, par exemple, et vous vous mettez comme directeur général de la police, mon cher. Et dernier acte là. Ah non, là, on ne l'essentiel, je connais. Qui est-ce que tu ne ça, je connais Michel Angelio. Pas j'aime accepter de descendre machine là. Parce que le compte principe, depuis 2004, ça fini. Depuis après Aristide Lizette, désolé, ça fini. Question on est comme si vous rentrez dans USP, USGPN, on est sorti dans tel quartier populaire pour mettre USP, USGPN. Ça t'est fini depuis 2004. Définitivement, est-ce qu'il y a deux directions générales? Pas jamais. Il y a un chef police dans le palais national qui est Parison, et puis il y a un directeur général police là, dûment reconnu. Bien compté, mal calculé. Si on est qui fait partie de la première promotion de la police nationale, Vladimir Parison, qui lui-même, dans le collimateur, droit de l'homme, je ne veux dire là, penser les capables qui te nèg utiliser le n'est pas que j'en, m'a bon dit. Mais est-ce que vous avez réfléchi dimension ça, comme si ça action ça passe dans le palais national là? Vladimir Parison, moi pense que son type qui est très intelligent, son nèg me connaît, nèg fait pour partir pour le poste de la police, on est qui formé, les parents qui te mon utiliser n'est pas que j'en, si son mon tabac, monsieur conseil, ça pour faire ça, Vladimir Parison, erré, elle erré, et là, il y a un gros problème. Mais vous dites, inspection générale, qui a relé deux monsieur Sayo, agent USP Sayo. Inspection générale, même j'ai été fait déjà. Il était relé, moun. Et agent qui était attaqué, ou bien était manqué des gars à sénateur, Don Kato, il était relé dans l'inspection générale et il était blâmé. Ah, ok. Dans le cadre du dossier, question de machine. Machine qui était frappée, première dame. Et première dame. Donc ça veut dire que, puis on est pensé. Ou c'est chef comme si, ou café sauvé. Gagner la police des policiers, c'est inspection générale, ok, qui pral saisir le dossier ça dans l'immédiat et qui pral agir en conséquence. Kounya, on regarde qui s'est passé. Est-ce que Palais National officiellement pral présenter excuse ou bien est-ce que Michel Gédéon par élégance, le Palais National, par le biais du secrétaire général du Palais, ou bien du chef de cabinet. Oui, mais c'est clair. Faut que vous excusez de ce qui s'est passé à deux incidents. Excusez-nous, mais il y a un chance à vous. Les agents fautifs, c'est normal. Les agents fautifs. Non, il n'y a pas fautif, il y a aussi l'autre de l'autre côté quand même. Est-ce que deux agents qui ont décidé? En pile fois, il y a des bails qu'on y va. Il y a tellement qu'on est que, bon, j'ai des problèmes. Palais national, pas un, mais j'ai des
et puis bon m'a pas mal agi il fait pour voir plaisir je compte sur les aller soit le jour de aller ça te connait jour de aller non c'est ma côté non on va devoir aller ma c'est ma côté mal non ça te connait hein gère qui est pas dans son président et pas la président et puis on a il passe le pouvoir hein il a passé quelque part et puis il font il passe un ordre illégal ça on est bat mon Dubaï non de vous mériter pas comme ça ah de vous mériter donc ça veut dire que chaque IVA dans le palais national là excusez son blague ou l'homme si vous mériter pas comme ça du valeur pour battre pégar mon nom comme tel c'est joke ok oui donc chaque IVA dans le palais là son bail est grave très grave et n'a pas rappelé monsieur Vladimir Parizon lui au rang d'inspecteur général poste lui en le palais national certes mais il y a fonction d'inspecteur général. Il y a n'importe quel moment de la durée, il a rappelé monsieur. Il y a écrit par le national, il a demandé pour que monsieur ça, Vladimir Parizon, aller dans l'inspecteur général ou bien dans le directeur général. Est-ce que je me dis Est-ce que je pas long, là, soeur? Vous me parlez. Parlez. C'est pas étonnant, après 3 ans, Michel Ange de Jovenel Moïse trouve l'obligation pour renommer Michel Ange de